Shalom peuple de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission « J'aime la parole ». Nous allons prier. Seigneur, entre tes saintes mains, ces moments que nous allons passer dans ta présence. Viens nous aider et nous guider au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, notre texte de base par rapport à ce que nous sommes en train de parler, bien-aimé, c'est le livre de Habacuc, chapitre 2, troisième verset. La Bible dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alors, l'émission précédente, je parlais de la patience et la prophétie. J'avais dit, plusieurs ont reçu le message de Dieu, mais ils ont pensé que la prophétie de Dieu va s'accomplir dans leur vie instantanément. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie, ce n'est pas le présent, j'avais dit. Ce n'est pas le passé. La prophétie, c'est le futur. Donc, le futur, c'est déjà après une tierce, une seconde, une minute, c'est déjà le futur. Voilà. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que dans la prophétie, il y a ta part et il y a aussi la part de Dieu. C'est ce que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps de la prophétie est déjà fixé. Qui l'a fixé, bien-aimé? C'est Dieu. Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, on peut avoir une montre, j'avais dit à l'émission précédente, mais le temps appartient à Dieu. On peut avoir un calendrier chez nous, mais le temps appartient à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le problème du temps, ce n'est pas le problème de l'homme. Voilà pourquoi il y a deux sortes de temps. En grec, on nous parle de chronos et on nous parle de kairos. Le chronos, c'est le temps de l'homme. Le kairos, c'est le temps favorable de Dieu. Voilà pourquoi, quand c'est le temps favorable de Dieu, l'homme n'a pas à forcer. L'homme n'a pas beaucoup de choses à faire, mais l'homme a juste à vivre, à expérimenter la présence de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais parler de ta part dans la prophétie. Notre part dans la prophétie. Alors, bien-aimés, la part de Dieu, il a parlé. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Alors, Dieu a fait sa promesse en te donnant une prophétie. Que tu deviendras ça, tu deviendras ça. Il est fidèle, il l'accomplira. Quoi qu'il arrive, il l'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le problème, c'est quoi? C'est notre part dans la prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te dire que tu deviendras chef. Dieu peut te dire que tu deviendras un grand footballeur. Dieu peut te dire que tu deviendras ingénieur. Dieu peut te dire que tu deviendras une femme d'affaires. Dieu peut te dire que tu deviendras un professeur de l'université. Dieu peut te dire que tu deviendras peut-être maire de ta ville. Tu deviendras bourgmestre. Je ne sais pas moi, tu deviendras un grand homme de Dieu. Oui, Dieu peut te promettre un grand homme. Dieu peut te promettre une grande femme. Dieu peut te promettre de beaux enfants, mais le problème, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prophétie, Dieu a sa part. Dans la part de Dieu, il fait une promesse et il reste fidèle. Il a fait ce qu'il devrait faire. Mais notre part aussi, nous avons une part à faire pour l'accomplissement, bien-aimé dans le Seigneur, de la prophétie. C'est très capital et c'est très important. Beaucoup de gens, bien-aimés, aujourd'hui se disent que Dieu m'a promis, je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas question que tu n'as pas vu ça. C'est question, est-ce que pour ta part, est-ce que tu as fait ta part, tu as rempli ta part de contrat? Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, bien-aimé, Dieu n'échoue pas. Mais tu peux échouer en ayant Dieu parce que tu n'as pas compris de choses. Je vais donner quelques exemples. Vous allez voir, il y a des gens, Dieu lui donne une prophétie. Bien-aimé, après avoir eu la prophétie, qu'est-ce que tu as fait avec cette prophétie? Le problème, c'est ça. Non, il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, leur part était de préserver la prophétie, mais eux, ils ont écouté la prophétie, ils ont laissé tout à Dieu. Bien-aimés, j'ai écouté un prédicateur qui a dit, un chrétien qui donne, qui laisse toute la responsabilité à Dieu, il a dit quelque chose que j'ai aimé, il a dit que c'est un chrétien qui est naïf.
c'est un chrétien qui est irresponsable. Tu ne peux pas donner toute la responsabilité à Dieu. C'est comme un père. Un père peut dire à son enfant, je vais faire de toi un ingénieur. Je peux dire à mon fils, écoute, je vais faire de toi un ingénieur. Je vais faire de toi un médecin. Cela veut dire quoi? Je vais m'investir, je vais s'aimer, je vais faire tout ce qui est à ma disposition pour que tu deviennes un grand médecin, un grand pasteur, un grand, pas un grand pasteur parce que la vocation vient de Dieu, un grand médecin, un grand ingénieur, bien-aimé dans les Seigneurs, en t'en voyant dans des écoles peut-être spécialisées, voilà. Mais l'enfant ne peut pas dire que comme le père va faire tout de son possible pour que je sois un grand ingénieur, il croise les bras, il ne fait plus rien. Non, cet enfant n'arrivera jamais à la tête, quels que soient les efforts de son père. L'enfant a aussi sa part. La part de l'enfant, c'est de garder ce que le père a dit. Deuxièmement, la part de cet enfant, d'investir, de s'investir aussi, aussi lui-même dans les études. Ce n'est pas, au lieu d'aller aux bibliothèques, il va dans une boîte de nuit, au lieu d'aller lire ses notes, il va jouer au foot. Et à la fin, il sera l'échec et il ne deviendra jamais l'ingénieur. C'est ça la différence. Et beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu leur a promis des choses. Ils sont comme ces enfants. Ils font n'importe quoi. Ils disent que Dieu va l'accomplir. Papa va l'accomplir, oui. Il met son argent, il met son onction, il met des relations, et voilà pour toi. Mais sauf que tu ne comprends jamais ce qui est ta part. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu t'a promis que tu auras des enfants magnifiques. Mais Dieu ne t'a pas dit, tu feras ces enfants avec qui? C'est ça les problèmes. Et toi, tu dis, Dieu m'avait dit, j'aurai des enfants magnifiques. Alors tout homme qui vient dans ta vie, tu dis, bon, ça c'est le premier homme, Dieu m'avait parlé, je ferai des enfants avec lui. Est-ce que cet homme-là t'a épousé? Premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit ça, il sait comment il va s'arranger. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Deuxièmement, c'est déjà quelque chose. Tu peux avoir, le diable peut aussi envoyer un sorcier devant toi pour détruire ta destinée. Et tu fais des enfants avec cet homme et ta destinée, tu fais des enfants. Toi-même, tu te dis, mais Dieu m'avait promis. Dieu t'avait promis, Dieu t'avait laissé le choix de faire. Quel est avec l'homme que tu feras les enfants là que Dieu t'a promis? Oui, Dieu t'a promis que tu deviendras, tu vas épouser un grand homme. Mais comment tu conduis ta vie? Tu sors avec n'importe qui, tu sais pas faire le choix, tu es dans une vie de désordre sexuel et tu tombes enceinte bien-aimée comme ça et paf, c'est fini. Et tu dis que Dieu m'avait promis que j'aurais un grand homme. Alors, est-ce que tu t'es conduit tel que Dieu avait voulu bien-aimée dans le Seigneur? Ta part, est-ce que tu as respecté ta part bien-aimée dans le Seigneur? Oui, Dieu t'avait promis que tu deviendras un grand homme d'affaires. Oui, juste premier conteneur que tu as fait bien-aimée dans le Seigneur, tu as acheté des choses ici, tu as envoyé en Afrique, tu vas là-bas, tu épouses déjà cette fille bien-aimée dans les Seigneurs. Tu dépenses, tu gaspilles l'argent et deuxièmement, tu ne pouvais plus faire le deuxième conteneur et c'est fini pour toi. Ne va pas dire que Dieu m'a menti, Dieu m'avait donné une prophétie que j'ai... Non, mais comment tu as préservé cette prophétie? Comment tu as géré l'argent que Dieu t'a donné? Il ne faut pas donner toute la responsabilité à Dieu. Oh, j'ai aimé la chanson de notre frère KS qui a chanté Dieu ne pile pas foutu. Voilà, cette chanson a été critiquée, mais moi j'aime ça. Dieu ne pile pas foutu, c'est-à-dire Dieu peut te donner des bananes, mais Dieu ne viendra pas piler pour toi les bananes. C'est ça les problèmes. Dieu peut te donner un homme de ta vie, mais Dieu ne viendra pas prendre soin de cet homme. C'est-à-dire Dieu ne fera pas tout pour toi. Il donne la promesse et il est fidèle à sa promesse. Et ta part, tu dois le faire. Bien-aimé, tu as une prophétie. Dieu t'a donné une prophétie, mais tu n'as même pas le temps de gêner pour cette prophétie. Tu n'as même pas le temps de prier pour cette prophétie. Tu n'as même pas le temps de faire des actions de grâce pour cette prophétie. Non, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta part de contrat, qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu te parle? C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu te parle? Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu t'a parlé? La prophétie que Dieu t'a donnée, quelle est ta part, bien-aimé dans le Seigneur? Pendant qu'on dit on va gêner, toi tu manges toute la semaine, tout le mois, tu fais que manger. Bien-aimé, le diable, la Bible nous montre qu'il est en colère, il travaille 24 heures sur 24, sachant qu'il a peu de temps. Son but est de nous éloigner aussi de la bonne voie de Dieu, de nous faire rater ce que Dieu nous a promis. Voilà pourquoi ta conduite aussi, bien-aimé dans le Seigneur, est très importante pour l'accomplissement de la prophétie. Oui, Dieu t'a promis, mais comment tu conduis?
comment tu te conduis. Dieu t'a promis la richesse, Dieu t'a promis, je ne sais pas moi, tu seras ingénieur, tu... mais comment tu négliges les études. Dieu t'a promis un grand footballeur, comment tu négliges les entraînements. Dieu t'a promis que tu seras une grande star, un musicien, voilà. Tu ne répètes même pas, tu ne chantes pas. Bien-aimé, comment dans ta part tu ne fais pas? Dieu ne viendra pas répéter pour toi. Dieu ne viendra pas apprendre pour toi. Dieu n'ira pas à l'école pour toi. Il y a la prophétie, mais de ta part, tu dois aussi faire quelque chose. Quelle est ta part, bien-aimé dans le Seigneur? Joseph avait une prophétie qu'il deviendra grand, mais il ne savait pas. Mais il ne pouvait pas se laisser entre les mains de Potiphar parce qu'il savait que sa prophétie était plus grande que la proposition de la femme de Potiphar. C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons la prophétie, mais comment nous nous conduisons? Après demain, nous allons dire que Dieu nous a menti, Dieu était menteur. Moi, je savais que quand Dieu... Non, Dieu a dit, et la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Lui, de son côté, il reste fidèle. Est-ce que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu étais fidèle à ton poste? Tu étais fidèle à ce que tu devrais faire? Tu étais fidèle, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu as pris ta part au sérieux? Ou bien-aimé, tu t'es dit, bon, je suis là, j'attends. On n'attend jamais la prophétie, l'accomplissement de la prophétie en croisant les bras. Israël, Dieu leur a dit, je vais vous amener en Cana. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la terre promise par Dieu. Mais curieusement, vous allez remarquer, la Bible souligne qu'il y avait des Éthiens, il y avait des Jébusiens. C'est-à-dire, la part d'Israël était de lutter, de combattre pour chasser ces peuples. Dieu t'a promis que tu seras une femme d'affaires, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Dieu t'a promis que financièrement, tu deviendras puissant, mais tu ne fais rien, tu croises les bras. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a promis que tu auras un grand homme comme Marie. Prépare-toi à la cuisine, prépare-toi à la propreté, prépare-toi à gérer les hommes, prépare-toi à fais même une formation. Dieu t'a dit, tu deviendras. Allez à l'école, forme-toi, c'est très important. Et prie, donne les actions de grâce. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ta part dans la prophétie. Ne dis pas seulement que Dieu m'a dit, ne dis pas seulement que j'ai une prophétie, mais dis-moi aussi, je me prépare pour voir l'accomplissement de la prophétie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, à la prochaine. Émission, je vais prier pour toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à accomplir, à faire aussi notre tâche pour l'accomplissement de la prophétie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Au revoir. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Les Edel Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, mm-hmm. que beaucoup de âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvées, yes, amen.